Donc, quand nous arrivons ici en fin de rang, on fait nos trois mailles serrées dans la même, puisque c'est une d'angle hein, qu'on a noté. Et ici, on vient faire la maille coulée. Une maille en l'air. Et maintenant, on va tourner le travail comme ceci, de façon à travailler dans ce sens. Donc, dans la première ici, nous venons faire une maille serrée. Une maille en l'air, on passe une maille. Dans celle d'après, mais uniquement dans le brin arrière, on vient faire une maille serrée. Une maille en l'air, on passe une maille. Dans celle d'après, on fait une maille serrée. Une maille en l'air, on passe une maille. Dans celle d'après, une maille serrée. Toujours dans le brin arrière. Hein? Une maille en l'air, on passe une maille. Dans le brin arrière, une maille serrée. Et comme ça, on vient faire ça jusqu'ici. On se retrouve ici. Donc voilà, une fois que nous avons fini notre rang, on vient ici faire la maille coulée, comme ceci. On vient changer de crochet. On prend un numéro 4. On fait une maille en l'air. Et là, on va prendre, vous voyez, les deux là comme ça, vous les prenez comme ceci, par l'avant, et vous faites une maille serrée, donc par l'avant. Dans la prochaine, c'est un espace ici, et bien vous faites une maille serrée toute simple. Celle d'après, vous faites une maille serrée par l'avant. Dans l'espace qui suit, une maille serrée toute simple. Celle qui suit, une maille serrée par l'avant. Et comme ça, vous allez le faire jusqu'ici en fin de rang. À de suite. Donc, une fois que nous arrivons à la fin du rang, on vient faire ici la maille coulée, comme ceci. Une maille en l'air. On fait notre maille serrée dans la même maille. On prépare une bride et on vient l'attraper ici, vous voyez, dans le fil qui est en avant, comme ceci. Donc ici, on fait notre bride. Comme ceci, voilà. Là, vous voyez, ici, il y a la maille que nous avions fait juste après. Ici, on fait notre maille serrée. Et là, on recommence. On prépare la bride, on attrape dans le fil ici. On vient faire notre bride ici. Ici, la maille serrée. On prépare la bride. Dans le fil en avant, on fait notre bride. Ici, la maille serrée. Là, dans la bride, dans le fil en avant, ici, notre bride. Et ça, on le fait jusqu'à la fin du rang et on se retrouve en fin de rang. Prise dans l'élan, j'ai fait un rang de plus, j'en suis désolée, mais c'est exactement pareil. Alors là, oui, vous pouvez voir que j'ai mis le tissu, hein, comme je vous ai dit en début de vidéo. Soit c'est du tissu collant, soit vous mettez de la colle vinyle blanche avec un tissu par-dessus. Mais là, c'est exactement pareil donc que le rang précédent. On vient faire ici la maille coulée, la maille en l'air, la maille serrée. Et de suite après la maille serrée, nous venons faire dans le fil ici la bride. Voilà. Et on continue comme ça. Ici la maille serrée. Et dans le fil ici la bride. Voilà. Mais écoutez, ni plus ni moins, on va continuer comme ça de rang en rang jusqu'à ce que vous ayez la hauteur qui vous convient. Je reviens vers vous. Vous savez, dans quelques secondes pour vous dire la hauteur que j'ai choisi de faire. Donc, à de suite. Et bien voilà, au bout de 25 cm, comme vous pouvez voir,
Hein, ça va, ça va. Je vais pas vous mentir, hein, c'est pas rapide, mais ça passe assez rapidement quand même. Le point monte relativement vite. Il mesure 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Approximativement 1 centimètre par an, donc ça va assez vite quand même. Voilà, c'est un point qui monte assez vite. Donc là, vous allez venir fermer, rentrer votre fil. Et bien sûr, on se retrouve une fois que c'est fait. À de suite. Donc maintenant, nous allons venir mettre les pattes avec les anses. Voilà, comme ceci. Alors, vous allez rentrer là. Et là, vous allez compter. Alors, vous aplatissez bien. Je vous ai dit que la mesure, je ne sais plus. Ça fait 37 cm. Donc, ça fait un sac d'un très, très beau volume. Donc, vous rentrez la patte comme ceci, vous voyez. Donc, là, vous allez venir mettre les pattes dans les cercles et vous allez compter 7 motifs. Voyez? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Au septième, vous mettrez votre patte et vous ferez exactement pareil de l'autre côté. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Au septième, ici, vous mettrez votre patte. Pardon. Voilà, ce qui donne ça comme écart, c'est raisonnable et ça va bien. Alors, vous allez venir mettre du fil noir un peu épais. Alors, ça peut être du coton, ça peut être du magic bag, ça peut être un peu ce que vous voulez. D'accord? Et vous allez venir coudre dans les trous votre patte. Donc, on va venir ouvrir comme ça, venir cacher le fil à l'intérieur. On tire. Certains fils peuvent s'effilocher. Ça, c'est du polyester. Hein. Si ça s'effiloche, simplement vous le brûlez avec. Vous le brûlez. Hein. Vous mettez un peu de flamme. Ça va resserrer les fils. Hein. Donc là, vous venez comme ceci. Vous positionnez bien droite et vous allez venir faire des allers et retours. Tout simplement pour venir coudre votre patte. Voilà. Allez, hop. On fait preuve de bonne volonté. Et donc vous cousez comme ça, ben, toutes les 4 pattes. OK? Ben écoutez, on se retrouve une fois que c'est fait. À de suite. Et bien voilà, une fois que nous avons mis les pattes, donc que nous avons mis les anses, on va pouvoir mettre ces jolis logos. Donc je vais venir coudre ici, en plein milieu, le petit logo. Je vous retrouve une fois que c'est fait. Et bien voilà, une fois le petit logo positionné, ben ça donne un air beaucoup beaucoup plus sorti du magasin pour votre sac. Beaucoup de personnes font des sacs pour les revendre. Ben écoutez, ça vous permettra de donner un joli label à vos jolies créations. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air parce que ça fait toujours plaisir. Mais surtout, abonnez-vous. Allez, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.